Bref, on était le matin. Je lance des BD, je rejoins mes amis, on lance une partie, on attend. On attend encore. On attend un petit peu plus longtemps. Par chance, on trouve une partie. Tout le monde se met prêt, même le tueur. Je crois qu'il a même pas le temps. Je pense qu'on va se faire monter en l'air. Début de la partie, on est à la map Blackwater. Déjà ça commence mal. Déjà je panique, je garde mon sang-froid. Je me dis faut pas paniquer. Déjà je joue avec Feng, d'habitude je joue avec Léon. Bref, c'est qu'un détail. Quelques secondes après avoir visité la map, je trouve un générateur, près du bateau. Les joueurs de DBD savent quel générateur je parle. Je commence le générateur, il se passe rien, j'entends aucun aura, je regarde autour de moi. Je bug un peu derrière moi pour éviter d'avoir l'énorme son du générateur dans mes oreilles. Je fais le générateur. On finit le générateur, toujours pas de tueur. Je me dis, quelque chose va pas, c'est peut-être un tueur silencieux. Là, je commence à descendre, et tada, le tueur a bugué. Malheureusement, grosse partie. Là, on regarde qui c'est le tueur, on voit que c'est un cannibale. Ouf, on a encore eu de la chance qu'il ait bugué. Du coup, on relance une deuxième partie. Là, on commence le générateur, tranquillement, chill. Un peu beaucoup moins de pression que la première fois, mais tout de même, la pression reste là. Et là, j'entends l'aura du tueur approcher, puis je me suis souvenu de mon défi. Niqué, 3 crochets, il m'en reste un, YOLO, je le fais. Et là, le tueur me tue, mais j'ai réussi tout de même mon défi. Là, je reste à terre pendant quelques secondes, et lui, pour patienter, il pourchasse ma pote vu qu'il ne peut pas m'accrocher, il attend que le crochet réapparaisse pour pouvoir me mettre dessus. Bon, le tueur me crochette, je me dis c'est pas grave, j'aurai 25 000 points de sang gratuits à la fin de la partie même si je meurs tout de suite. Au final, je vois, il tourne autour de moi, je me dis, il comprend pas par hasard, du coup, impossible de décrocher pour le moment. Et là, ma pote arrive, elle vient, elle me décroche, et je vois qu'il arrive tout de suite sur nous, je me suis dit, ça sent la merde. Et en effet, il nous a mis à terre tous les deux. Et là, il crochette ma pote là où est-ce que j'étais croché à l'instant. Et il vérifie à droite à gauche si jamais il y a des petits suicidaires qui aimeraient se faire prendre un petit coup de tronçonneuse parce que c'est un petit bâtard. Et il me prend et il me crochette. Et là, je passe P2. Je vous avoue que je suis légèrement moins safe qu'au début. Plus le temps passait, plus je voyais mon heure arriver. Et là, il y a un petit oiseau qui vient me sauver avec sa compétence. Un petit sur la réserve qui fait extrêmement du bien. Et le cannibale, chèh. Ça m'offre quelques minutes de sursis, donc je suis un peu content. Une fois que j'ai fini de me suturer, je porte mes boules et je go la décrocher. Mais j'ai vu le cannibale tourner autour. Un classique en soit, me diriez-vous. J'attends quelques secondes et je décide d'y aller même si je dois y laisser ma peau. Par chance, aucun tueur aux alentours. Une fois décroché, je suis seul, perdu sur la map, blessé, brisé mentalement. Je suis cette petite lumière jaune qui me mène à mes amis qui vont me soigner. Une fois cela fini, je les remercie et je continue mon chemin pour qu'on puisse sortir de cette merde. Je décide de sortir de la maison sans vraiment où aller et je vois ma pote se faire accrocher encore et toujours. Je décide d'y aller, je tape un face-to-face avec mon meilleur ami, je me liquifie, je tape ma meilleure marche arrière, direction le casier. Vu que personne va la sauver, je me dirige vers elle pour la décrocher. Tout de suite après, le cannibale veut essayer de faire une triplette, mais j'arrive à l'esquiver de peu. Là, on trace comme Jaja, je vais à gauche, ma pote va à droite, je commence à faire le générateur avec mon autre pote, j'ai dû vite l'abandonner pour pas très longtemps en soi. On a essayé de survivre tant bien que mal, malheureusement, une personne va nous quitter à l'instant, je retourne sur le générateur avec ma pote, je me suis dit, bon bah ça va, il y a peut-être moyen de le faire, puis je me suis rappelé pendant quelques instants que c'était le cannibale, et là je me suis dit, ouais non, en fait, on est foutu. Vous voulez savoir la définition du seum ? Eh ben c'est moi actuellement, je me fais accrocher, je meurs, et les portes peuvent être ouvertes. Ah, ça c'est ma vie, un plaisir. Bon, au final, une seule personne survivra de cette partie où le tueur faisait que camper, un plaisir, surtout quand on connaît le tueur. Là, il jouait petite chatte, on se plaint, on y joue quand même, mais au final, je suis mort seul, comme une merde. Bref, j'ai joué à des BD.